D'accord, vous avez pas vu, parce qu'hier soir j'ai fait la naissance, l'allaitement et la mort du cochon avec les petits et tout ça. Alors, je crois, Clémentine, que vous allez avoir un souvenir impérissable de votre visite à la Saint-Marcou de Yébleron dans le Pays de Caux. Allez, encore des applaudissements, on va la libérer parce qu'il faut qu'elle fasse ses répétitions. C'est dommage parce que, franchement, dans la prochaine fois, j'espère qu'il y aura une prochaine fois, oui Emmanuel, parce que c'est grâce à lui qu'on est là, et Serge, j'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, comme diront d'autres personnes, eh bien, des amis, eh bien, qu'on reviendra et qu'on fera une nouvelle de Maupassant avec un cochon. Et tu viendras et tu feras la ponctuation. D'accord ? Merci. Alors, je vais vous présenter. Alors, j'ai à mes côtés, parce qu'on ne va pas l'oublier, Madeleine Lire, je suis le président de l'association départementale, c'est ça ? Nationale. Il faut qu'on fasse cette présentation, cher monsieur. Donc je vais vous laisser la parole parce que je pense que vous avez des choses importantes à dire. Après, on libère Clémentine. Je vais juste vous dire, quand j'ai dit à Clémentine de venir à Yébleron, c'est parce que j'ai la chance d'y venir depuis 4 ans. On est très amis avec les organisateurs. Et je trouvais que c'est un endroit extraordinairement fort, Yébleron. Parce qu'on rappelle les valeurs. Voilà, c'est la tradition rurale. Monsieur le maire l'a très très bien dit. Mais dans notre démocratie, il y a aussi les valeurs de la solidarité. Et je trouvais que c'était important que Clémentine soit là pour défendre ces valeurs de la solidarité. Alors, la députée qui est ici présente, enchantée, vous pourrez dire aussi un petit mot, puisqu'on parle de démocratie. Quand vous allez être là tout à l'heure à l'église pour écouter Clémentine et écouter Thierry, il y a un message extrêmement fort, c'est comment on peut dépasser aussi la maladie à travers l'art. Et donc je vous incite véritablement à être là, on est chez vous, hein, c'est chez Maupassant. Donc vous allez voir qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire. Donc précipitez-vous à 16h30 devant la porte de l'église, même si vous n'avez pas.